Stéphanie Var de la société Loki Expo. Le but de ce salon, c'est aujourd'hui d'avoir une animation sur la ville de Vimereux à travers un salon de l'habitat et de la décoration, et essentiellement avec un attrait tout particulier sur la décoration. Voilà, donc au total, nous avons 80 exposants répartis au niveau de la salle de l'abbé Saint-Jean et sous chapiteau de 900 mètres carrés. Nous avons aussi bien de l'habitat avec des spas, avec de la véranda, des fenêtres PVC et aussi de nombreux pôles décoration avec de nombreux exposants du secteur et de Vimereux, avec par exemple de la vigne au vert ou même sous le sable il y a. Au niveau des visiteurs, nous allons avoir essentiellement du particulier. Ce sont des personnes qui vont avoir des projets, qui seront à la recherche de conseils et qui vont vouloir avoir des renseignements sur les nouveautés durant tout le week-end. Oui, nous avons quelques entreprises vraiment de la ville, comme je disais, avec des magasins de décoration, mais aussi de l'habitat. Nous avons de nombreuses sociétés du Boulonnais, de la communauté d'agglomération, mais également quelques sociétés qui nous viennent d'un petit peu plus loin au niveau régional. Alors, les heures d'ouverture sont de 10h à 19h, vendredi, samedi et dimanche. Salle de l'abbé Saint-Jean et sous chapiteau. Et ça se situe rue Saint-Adrienne. Venu aujourd'hui d'une demande de nombreux exposants qui sont à la recherche de participer à des manifestations comme celles que l'on peut présenter aujourd'hui. Ce sont 80 professionnels sur l'habitat et sur la décoration. Nous sommes aujourd'hui 3 dans la société à donner de notre mieux pour dire de satisfaire un maximum de personnes. Donc avec mon épouse et avec mon fils Baptiste qui s'occupe de toute la communication. Oui, nous avons contacté donc de nombreux architectes, des différentes personnes de décoration et archi d'intérieur, puisque nous aurons la chance et le privilège d'avoir demain la présence d'Emmanuelle Rivassou, présentatrice de l'émission et maisons à vendre sur M6, donc qui est aujourd'hui une référence sur les chaînes nationales.
Ce salon paraît assez professionnel. Il est intéressant dans le sens où on a de nombreux professionnels avec des activités très diverses. Et on est bien accueillis, bien renseignés. Et donc je pense que c'est quand même très positif et on a quand même toute une palette d'activités qui concernent bien le particulier. Hein. Mais on a parfois des salons très, très importants en taille. Là on n'est pas perdu, c'est pas trop grand, mais en même temps on a des petits stands, on rencontre très facilement les gens, donc c'est quand même plutôt positif. Hein. J'ai trouvé le salon plutôt bien, il y avait pas mal d'exposants, c'était intéressant, donc c'était enrichissant. Voilà. Bah écoutez, moi je pense que c'est un salon qui est très professionnel. Il y a d'abord une approche qui est très bien conçue. Hein, pour les gens qui passent dans la rue devant la baie Saint-Jean, les gens sont très attirés pour rentrer dans l'enceinte du salon. Donc déjà, c'est un point positif. Donc un salon qui est très bien agencé. C'est même surprenant parce que nous qui sommes de Vimereux, qui avons l'habitude de fréquenter les salons de la baie Saint-Jean, avec l'extension que l'on voit aujourd'hui, ça paraît totalement différent. On a vraiment l'impression de se trouver dans un autre monde. Du salon dont il faut revenir, et je me réjouis parce qu'il y a 3 ans c'était un essai. L'année d'après nous avons confirmé et maintenant ça fait une certitude de par les participants et la population, les visiteurs vimereusiens et c'est le plus 4000 l'an dernier. Donc cette année on sait que ce sera plus 5000. Et ce qui fait plaisir pour moi, c'est qu'ils ont beaucoup d'artisans, d'exposants, je dirais des locaux, des régions. Des localités, des gens qui maîtrisent leur métier, qui peuvent vraiment enseigner aux gens. Là, ce ne sont pas des amateurs chargés de vendre un produit, mais c'est des gens qui le fabriquent, qui connaissent les matières et qui peuvent conseiller selon la plantation des maisons, la vista, le désir, etc. Donc je sais que ça aura déjà un succès. Je remercie l'organisateur. Là, il y a 3 ans, c'était un pari qu'on lancions de créer à Vimereux. C'est un pari réussi puisque on voudrait nous l'enlever. Hein, donc je ne sais pas, je ne pourrais pas supprimer la pièce d'eau pour augmenter le salon. Hein. On peut toujours la couvrir, mais on peut encore trouver un petit peu d'espace. Et je vous souhaite un beau succès. Je suis sûr que le succès sera là. Hein. Je salue tous les exposants qui sont là, qui ont fait confiance, 25% de plus que l'an dernier. Hein, en leur disant que l'an prochain, ils vont rentrer à la place. On pourra grandir le salon et qui viendra régionalement, il est déjà connu sur la grande région de la région, ça va jusqu'à la Belgique et l'Angleterre. Donc on les accueillera favorablement. Et aussi pour Vimereux, c'est important, c'est le Covid. Un salon comme celui-ci appelle les gens à venir le week-end. Donc je ne puis que m'en réjouir et vous remercier tous de participer et d'organiser. Donc bonne journée et profitez bien. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je tiens tout d'abord à vous remercier, toute votre équipe, le service communication, le service technique essentiellement, le service animation. C'est avec grand plaisir que nous revenons pour la 3e année. La première année, nous avons eu 23 exposants, l'année dernière 65. Cette année, nous sommes à 80. Reste à savoir où nous allons nous arrêter. La seule chose que je voulais vous demander, c'est l'année prochaine de pouvoir recouvrir la mare. C'est pour nous une très bonne chose pour qu'on puisse pour pouvoir accueillir encore plus d'exposants et puis avoir une densité d'exposants les plus importants. Voilà, chers exposants, moi je vous remercie en tout cas de votre confiance pour la 3e année. J'espère que vous ferez tous de bonnes affaires et j'espère surtout que les visiteurs seront très nombreux cette année. Sans oublier forcément la visite demain d'Emmanuel Levasseur qui sera avec nous de 14h à 21h. Voilà, donc sans aucun doute, je reste persuadé que
Il y aura beaucoup de monde demain. Et puis, nous espérons franchement que vous ferez de très bonnes affaires. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci de votre confiance. Et puis, je tiens à remercier la mairie également, puisque vous avez pu avoir le pot d'amitié qui vous a été servi. Et donc ça vous a été offert par la mairie. Donc, monsieur le maire, merci beaucoup, merci de votre confiance, merci pour tout ce que vous faites pour la bonne organisation de cette manifestation, pour votre accueil et pour l'investissement qu'il y a sur le salon. Et puis, déjà l'engagement pour l'année prochaine, puisque les dates sont déjà retenues pour les années à venir. Merci, monsieur le maire, et puis merci à vous tous de votre confiance. Merci à vous, Un petit bémol à la couverture de la mare, parce que demain dans la presse, on dit le maire a décidé de couvrir la mare. Il a rappelé que ça passe un rétention. Il a son utilité, il peut être à sec par moment, je ne fais pas de miracle pour le remplir. Il a sa nécessité, alors on peut toujours le couvrir d'un plancher, mais ça c'est des problèmes techniques. Je pense qu'à un certain coût, ce serait pas peu réalisable. En tant que autour s'organiser. Donc bon succès à tous. Et tous invités, si vous voulez aller déguster le verre de l'amitié et échanger entre nous. Merci monsieur le maire, et pour ceux qui le veulent, nous pouvons nous rejoindre maintenant au niveau du bar où vous aurez également des milliardises et quelques verres qui vous attendent. Merci et un très bon salon.